Kevin est pourtant bien né sur Terre, ou plutôt sur une montagne à la Plagne. C'est l'histoire d'un enfant qui savait skier avant de marcher, avant même de parler. J'ai tout de suite su que c'était pas un enfant comme les autres, oui. Déjà, il donnait envie aux gens autour de moi de faire des enfants. Il a, tout petit, il avait trop envie de sauter, de skier. Kevin a toujours été en avance sur les autres et peur de rien. Jamais peur de rien. Et quand je l'avais en sac à dos, moi je prenais des bosses. Et les premiers mots qu'il a dit, je crois avant de dire papa et maman, c'est encore les bosses, Lily. Encore les bosses. Après, à 3 ans, il faisait le glacier, il passait partout. Après, je ne pouvais plus le suivre. Voilà. Je crois qu'il a fait son premier 360, il avait 5 ans, à peu près. Alors que c'est l'âge où les gamins commencent à skier. Il est tout petit. Il sait où il va et ce qu'il veut. Mais naître les pieds dans des fixations et grandir sur des skis ne suffit pas à faire un champion. Il faut plusieurs ingrédients, la volonté d'un enfant et la confiance des parents. Sa confiance en lui est basée déjà sur l'amour qu'on lui donne et justement la confiance qu'on a pu lui donner depuis tout petit. Il est tombé aussi, hein. Mais ça arrive bien sûr, mais c'est ce qui lui a permis à créer ses propres limites. Voilà, et moi, au contraire, au lieu de le retenir, je lui dis « vas-y, vas-y », toujours beaucoup de confiance en lui. J'ai jamais eu peur pour lui. Voilà, là, il est super bien dans sa peau parce qu'il fait ce qui lui plaît. Et c'est le plus important pour un papa de voir que son fils fait ce qui lui plaît. Club de Sarre numéro 54. Priorité au ski et du moment qu'on sentait que ça pouvait que l'épanouir et lui permettre de réaliser son rêve, quoi. Kevin préfère les pistes au banc de la classe. Il va vite trouver un nouveau terrain de jeu qui va changer sa vie et même lui donner un sens. Une rampe de neige héritée du skateboard, le Super Pipe, qui va révolutionner le ski acrobatique. Kevin, comme quelques autres, en fait sa cour de récré. Alors que la plupart des skieurs regardent ce demi-tube de loin avec un peu de méfiance, Kevin tombe déjà tête en bas en tenant ses skis. À plus de 10 mètres de hauteur, il enchaîne 5 figures au nom encore inconnu sur la planète sport. Là, t'arrives tranquille, tu drops. Bien confiant. Double Maltus, je garde le mille, je pose devant. Flat 3, je laisse tranquille, tranquille. Je pose switch 9, beaucoup de jus, je pose parfait. Switch and nat, je voyage un peu pour prendre du speed en double corps. La double corde, je pousse de toutes mes forces, je mets tout le jus que j'ai, je chope mon mute, je pose devant, et là, tu mets tout. Ouais, ouais. Ah.